Salut. Je suis en train d'écouter la belle musique de Petit Pays, un de ses meilleurs classiques. Fais-moi câlin. Bon, je vais baisser ça pour qu'on s'écoute. Pour qu'on s'écoute. Ah bien, je voulais vous dire que depuis quelques jours, un de mes frères de Zeka a posté un élément, une photo d'un moteur à pirogue, voilà, qui devait desservir les populations de Matak. Qui signe l'article en disant que c'est Cabri qui a offert. Et du coup, les éloges fusent de nulle part. Voilà le député Cabri qui fait de bonnes choses. Il a offert moteur à pirogue de 2 500 000 à la population de Makak. Je ne sais pas si vous voulez gouverner ce pays, continuer à gouverner ce pays par l'usurpation et par filouterie. Déjà, vous lancez un appel à cotisation où les populations, y compris les membres même du parti du PCN, cotisent pour acheter un moteur pour desservir la population. Et puis, les gens prennent ça, ils mettent ça au nom de Cabri. Moi, je ne comprends pas ce pays-ci, vraiment. Finalement, je ne vous comprends pas. Et tout. Donc, vous demandez aux gens de cotiser. Et la cotisation a été lancée sur Facebook, donc dans les réseaux sociaux. Les gens cotisent et vous prenez les efforts des gens, vous mettez à l'actif de Cabri Libi. Moi, finalement, je ne sais pas. C'est comme ça que vous voulez construire le pays. Et c'est une bande de gens, je ne sais pas, où c'est les supporters. Écoutez, hein, quand on parle des affaires publiques, c'est des affaires publiques, des affaires de ce pays-ci, j'ai du mal quand je pense que les gens, il y a des gens qui critiquent le gouvernement, mais qui sont toujours en train de faire, ils voudraient tout simplement des opportunistes être à leur place. Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas vanter les gens qui ont fait ce don-là. Vous ne pouvez pas les vanter. Vous ne pouvez pas vraiment les encourager en disant que, bon, ok, d'accord, les gens ont cotisé pour la population de Makak et tout cela. Vous prenez ça, vous donnez à Cabra, vous donnez les actifs à Cabra. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce qu'on attend de Cabra à l'Assemblée nationale et pactiser avec le gouvernement? C'est ce qu'on attend à acheter le pomme de 2 500 000. C'est ce qu'on attend. Mais les gars, ils brassent les milliards de francs chaque jour à tous les niveaux et tout. Et puis vous venez vanter Cabral qu'il a fait un don de 2 millions et demi d'une pompe à pirogue. Alors que c'est les individus, c'est un collectif, c'est les dons des gens, c'est les efforts des gens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous encouragez même ceux qui ont fait les efforts en faisant des publications pareilles? Qu'est-ce qui ne va même pas avec mes frères Bassa? Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Et puis vous continuez à endormir le Cabri. Parce que du coup, vous lui donnez des attributs, vous l'attribuez des valeurs qu'il ne fait pas. Donc du coup, ben voilà. Donc vous fabriquez un petit monstre par lequel vous contournez pour arnaquer les populations. C'est terrible ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et puis j'aimerais demander aux autres, dites-moi le Cabri Libi que vous voyez à l'époque, à la télé, et tout pertinent, s'attaquant à tous les défauts, toutes les failles de ce régime dictatorial, corrompu, méchant. Et ce Cabral d'aujourd'hui, très diplomatique, est assis, voilà, un peu joufflu. On ne voit plus la pertinence. Est-ce que c'est le but? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le but
c'est le but de, d'entrer en politique. Il y a des gens qui m'écrivent, oh, vraiment, il faut entrer en politique aussi. Oh, tu es jaloux de Cabra Libye. Oh, tu es vraiment, vraiment, il faut laisser, si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Oh, vraiment, la musique t'a dépassé. Tu veux parler de Cabra et machin, truc. Je vais vous rappeler, vous là, vous les rientons là, les gens de yeah et tout ça là, je vais vous rappeler, j'ai 50 ans à mon actif. 50. Et depuis 50 ans, ça fait 13 ans de ma vie, depuis 2007, voire 14 ans de ma vie, que j'ai consacré à la vie des autres dans ce pays-ci. Et je vais vous le dire, depuis 2007, j'ai déjà dépensé pas moins de 50 millions de francs de mon argent. Je ne suis pas fonctionnaire de la République. Je ne gagne pas l'argent de cette République, de cet État. Mais j'ai déjà, et quand je le dis, ceux qui m'écoutent le savent, à partir des productions que j'ai mis à l'actif pour sensibiliser et faire en sorte que ce régime-ci essaye de respecter les Camerounais, j'ai mis plus de 50, j'ai investi plus de 50 millions depuis 2007 à la cause commune. Alors quand les petits rientons là, les gens qui ne savent pas encore laver leurs fesses là, parce que Facebook c'est ouvert, les réseaux sociaux sont ouverts à n'importe qui peut parler. Et je remarque que c'est là où vous trouvez les femmes, c'est là où elles peuvent agir. Parce que quand elles sont passionnées de quelqu'un, elles essayent de là on attend l'actif des femmes, aller sauver les Camerounais, militer, je ne sais pas moi, marcher dans la rue pour sauver les enfants. Parce qu'elles savent nous dire que c'est elles qui sont nos mamans. Elles oublient que c'est nos spermes qui les conçoivent aussi. Donc, quand là on les attend, les enfants meurent tous les jours aux oiseaux. Les enfants meurent partout. Les gens meurent dans les hôpitaux. On attend les femmes, on ne les croise pas. Ils viennent nous dire, écoutez, pour cette classe-là, je vais vous dire une chose. Il faut parfois vraiment fermer les cuisses. Hein? Parce que quand vous les ouvrez, tout pied y entre. Hein? Parce qu'il faut apprendre à se les boucher. Et voilà. Et je vous dis, et je le répète, et tout le monde et ceux qui m'écoutent peuvent le savoir, moi j'ai investi pour la cause du Cameroun, je ne souffre pas. Ce n'est pas quelqu'un qui me donne. Et personne ne m'a jamais aidé pour ça. Mais moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, quand je suis rentré dans ce pays, j'ai mis mon argent à l'actif des problèmes des Camerounais. Et je dis bien plus de 50 millions. Et si quelqu'un veut me démentir, qu'il se pointe, qu'il vienne aussi dans les réseaux sociaux dire que ce qu'il dit là est faux. Donc, il faut la fermer. Il faut la, vraiment la fermer. Voilà. Et puis, une banque. Et quand je mettais cet argent depuis 2007, ne me parlez pas de Cabri. Ils n'existaient pas. Ils étaient encore assis sur des bancs. Et quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui, les gens viennent me dire, ouais, il est jaloux de Cabral. Mais attendez un peu, vous rêvez quoi? Vous rêvez quoi? L'homme qui vient de toucher le million aujourd'hui, vous rêvez avec celui que lui, il mettait le million depuis, il met le million depuis 14 ans au service de la société, de la cause et tout. Et maintenant, on vient de lancer le M22, l'association, pour aider les Camerounais qui souffrent de partout et tout. Et puis vous venez me parler, vous venez me dire que je suis jaloux de mon frère. Je suis jaloux de quoi? Je ne vis pas du sang des gens. Je vous le dis tous les jours. Je ne vis pas du sang des gens. Je vis de mes efforts. Vous m'avez déjà vu où? Vous avez entendu que Denis Copier est dans un commissariat parce qu'il a, il a accusé de détournement au bouffet 10 francs de quelqu'un. Vous avez entendu que Denis Copier a trempé dans les affaires de ce pays? Je pouvais le faire. J'avais les moyens de le faire. Alors, ceux qui sont, parce que ils sont entrés en politique et par la politique, par le sang des gens, en sacrifiant la vie des gens, vous ne pouvez pas me dire que je suis jaloux d'eux. Je suis jaloux. Allez corriger votre intellect là. Allez corriger votre intellect. Surtout vous les jeunes là, c'est pour vous qu'on bagarre. Hein? Vous pensez que nous on a faim? On n'a pas faim. Hein? On a plutôt investi. On a mis beaucoup de moyens pour faire des campagnes, lutter pour que le pays se change.
Et vous êtes là encore à têter les seins de vos mamans et puis vous venez parler parce que Facebook, on peut s'adresser à n'importe qui. Fermez-la. Alors fermez-la. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Allez, ciao. Garrett. Ça va pas marcher.